La remise de deux bâtiments flambant neufs de 10 salles de classe d'un coût de 147 millions de francs CFA au lycée Khalil par la fondation Atef Omaïs a été chaleureusement saluée par le monde éducatif de Daloa, dont la directrice régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique, Ngoran Akua. La première responsable de l'éducation nationale au niveau local a, au nom de la ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement technique, exprimé sa reconnaissance aux membres de la fondation qui, depuis l'année scolaire 2011-2012, ont décidé d'accompagner le lycée Khalil en réhabilitant ses deux principaux bâtiments, y compris la dotation d'une bibliothèque et d'une salle informatique. La livraison de ce second don en salle de classe équipée de tables bancs en présence de Omaïs Zanouba, présidente de la fondation donatrice, a été pour tous les acteurs de l'école, élèves, enseignants, responsables administratifs et d'encadrement, un grand motif de soulagement. En ce qu'il règle considérablement le problème d'insuffisance de salles dans un établissement dont l'effectif dépasse 2000 élèves.